Qu'est-ce que t'as dit? Je dis que c'est vraiment chouette. Mélanie! Jack! Qu'est-ce qui se passe? Bélé! Bélé! Qui? Mon frère Bélé. Il vient au pain creux. Celui qui jongle avec des tronçonneuses? Qui avale du feu, dompe des lions, tout ce que tu veux. Et il arrive quand? Demain. Wouhou! Et c'est un bon cavalier aussi? Oui. On va à la course de rodéo de Willow Creek en formant une équipe de frères et sœurs. Bélé a une jument, Eddie, qui peut faire n'importe quoi. Et il a un âne miniature? Je crois pas, non. Il va adorer Problème. On pourrait apprendre des tours à Problème et il fera le spectacle avec nous. C'est une idée géniale. Et ce truc que vous avez essayé de faire, Bélé vous apprendra à le faire à la perfection. D'accord. Merci. On y va. Ouais, à plus. À plus. L'anniversaire du club, voyons. T'as pas oublié quand même. Oh, tu rêves, le club du grand galop pour la vie. Le club du grand galop pour la vie. Je parie qu'on va passer une grande journée. J'ai très envie de voir ce que vous avez trouvé. Moi, mon cadeau sera prêt qu'en fin de journée. Le mien est presque fini. Tu fais toujours ce qu'il y a de mieux, Carole. Venez me voir dans le salon pour vos surprises. Mais laissez-moi 10 minutes. Oh, il faut que j'y aille. Il faut que je trouve quelque chose que j'ai perdu quelque part. Des sauteurs naturels. Un animal dressé peut tout faire. C'est ce que Bélé a dit. Je crois qu'il en a assez. Jack, vous connaissez des tours qu'on pourrait apprendre à Problème? Quel genre de tours? Ben, Bélé a une jument, Eddie, qui peut sauter à travers un cercle de feu. Waouh! Et à quelle hauteur? Je l'ai pas vu faire. C'est Bélé qui m'en a parlé. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Il faut quelque chose de simple, comme donner la patte. C'est ce que font les chiens. C'est une super idée. C'est comme s'ils pouvaient serrer la main. J'ai trouvé. Quoi? On va faire une banderole avec Bienvenue. Viens vite, Mel. Salle privée? Ça, c'est ce qu'on va voir. Une seconde. Surprise! Lisa? Pardon. En fait, j'attends Steph et Carole. Qu'est-ce qui se passe? Je fais une séance de soins du visage pour l'anniversaire de notre club. On te laisse tranquille alors. C'est quand même super ringard. Je pensais que tu étais sortie de ces enfantillages. Et de ton petit club. Viens, Véronica. Ça veut dire que nous avons le terrain pour nous entraîner. J'en ai pas besoin, mais... Amuse-toi. Je te conseille d'apprécier ton maquillage extrême, Steph. Quoi? Dépêchez-vous, il faut absolument qu'on commence. Ça va être génial. Je ne lâche pas. Je reviens pas qu'elles accaparent la grande salle pour leurs petits jeux stupides. C'est drôle comme idée. Si tu veux les rejoindre, ne te gêne pas. Mais non, j'ai pas envie. Mais ce serait bien qu'on fasse un truc comme ça un jour. Tu voudrais me faire un maquillage spécial? Ouais, pourquoi pas. Je suis désolée, mais seule une grande professionnelle peut me maquiller. Ce que je veux dire, c'est que je mérite ce qu'il y a de mieux. Alors, soin pour le visage et tournée des boutiques tout à l'heure. C'est moi qui invite. Très bien. Ça va être génial. Thank you.
y est, on a fini. D'accord. Maintenant, partie 2. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai passé toute la soirée à mettre les perles. C'est vraiment très différent. Oui. Je sais que c'est pas ce que tu portes généralement, mais un peu de coquetterie ne fait pas de mal. Mm-hmm. J'ai très envie de voir ton cadeau, Steph. Ah, il sera prêt en fin de journée. Et toi, Carole? Moi, il me reste un petit truc à faire. C'est terminé, les petites. Qu'est-ce qui te fait rire, Véronica? Regarde-les, Daisy. C'est pour ça qu'il faut toujours faire appel à des professionnels. Ça veut dire quoi, exactement? Allez, faut être lucide. Tes goûts sont encore plus mauvais que ta façon de monter. Véronica, retire ce que tu viens de dire. Tu veux que je te dise, Véronica? J'adore ce qu'elle m'a fait. Sérieusement? Oui, et j'aime tellement que je vais le porter toute la semaine. Alors? D'accord. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas le sens de l'humour. Et voilà. Max dit que c'est toi qui as la colle. Elle est par là. Tu as fini avec? J'espère. C'était vraiment sympa. J'aime bien ce genre de journée. On fait des trucs très intéressants. T'as l'air occupée. Je cherche une piste. J'emmène le club faire une balade pour notre anniversaire. T'as une idée? Je pensais à la piste des renards, mais j'aimerais bien quelque chose de nouveau. Pourquoi pas la vallée des saules pleureurs? C'est un peu loin. La grande gorge? Elle est fermée au public. Tu devrais essayer les chutes de diamants. Ça a l'air superbe. Je l'ai vu dans une émission de télévision. Il faut faire tout le tour de la forêt. Ça va prendre des heures. Pas si tu coupes en passant par là. Tu sais faire du cross? Oui, mais Lisa, non. Tu portes des trucs nuls pour lui faire plaisir. Elle peut bien faire quelque chose pour toi. Waouh! C'est super, non? Reste plus qu'à laisser sécher. Hein? Et à empêcher problème de le manger. Attention, Max! Hey, vous êtes de véritables artistes, hein? Ouais, pas aussi forte que Bélé, cela dit. Lui, il est fabuleux. Quoi, c'est aussi un peintre? Ouais, la reine lui a même demandé de faire son portrait. La reine d'Angleterre? Oui, mais il a dû dire non. Il était trop occupé par le cirque. N'utilisez pas toute la colle, s'il vous plaît. Oh, il en reste presque plus. Il va falloir qu'on mette quelque chose d'autre. Oui. Il faudrait trouver un truc très collant. Alors, on va où? Devine. La piste des renards? Et non, encore mieux, on va aux chutes de diamants. C'est pas des kilomètres, ça? Si, mais je connais un raccourci. On sort des pistes balisées? On dirait. Est-ce que ça veut dire qu'on va faire du cross? Ça en vaut la peine. Je suis sûre que ça va te plaire, Lisa.